Coucou Calice. Coucou. Alors aujourd'hui, nous allons tester un nouveau jeu vidéo sur tablette, oui, et ça s'appelle Angry Birds Go. Oh. C'est tout simplement une course de voiture sur tablette, puisqu'on n'a pas Mario Kart sur tablette. Ah bien, c'est pas grave, on a Angry Birds Go sur tablette. C'est alors... rigolo. Calice, lance-moi cette application. On ne l'a pas encore lancée, donc elle va s'installer, je pense. Oh, Angry Birds Go. Pourtant, c'est fini Noël, mais c'est trop beau. Il y a un petit paysage enneigé avec Angry Birds rouge qui est déguisé en Père Noël. En tout cas, il a un bonnet de Père Noël. Et en plus, son traîneau, il est fait avec une bûche, oui, principalement. C'est une bûche au chocolat, son traîneau. Son traîneau qui est une voiture, normalement. Donc, appuie sur le vert. Félicitations. Donc, nouveau. Nouveau, c'est pour jouer à deux, mais là, on va jouer, bien sûr, tout seul. Voilà. Donc là, à gauche... Là où il y a les cadenas, tu peux pas encore le faire. Donc pour l'instant, on va jouer à la seule course qui est possible. Waouh, il y a plein de petites vignettes. Alors c'est parti. Donc tu diriges soit en penchant la tablette, soit en appuyant sur droite ou gauche, ce qui est plus simple. C'est plus précis, je pense, de tapoter sur droite et gauche. Alors vas-y, là c'est la course tutoriel, on va dire. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas de bonus, il y a juste des virages. Ça va vite déjà, enfin assez. Ouais, ça va vite, et encore pour l'instant ton véhicule, lui il va pas vite, il est vraiment au minimum. En fait, elle était toute petite la course. Alors, ça y est, c'est l'heure de faire une vraie course, lance-toi, ça y est, les choses sérieuses commencent Calice. On va s'amuser tous ensemble les petits copains, regardez ce jeu, si vous connaissez, tant mieux, si vous ne connaissez pas, tant pis. Commencez à le découvrir avec nous et à vous amuser. Alors, a priori, il faut ramasser les pièces, mais pas que, il faut surtout gagner la course. C'est le principal. Les pièces, en fait, ça permet de faire quoi? Regardez les pièces en haut à gauche. Quand tu ramasses des pièces, ça augmente ton compteur de pièces. Et avec ce compteur de pièces, tu vas pouvoir après améliorer ton véhicule, c'est-à-dire la maniabilité, la vitesse maximale, l'accélération, la puissance. Je crois qu'il y a encore un autre paramètre. Et plus ta pièce, plus tu vas pouvoir augmenter rapidement la puissance de ton engin et pouvoir gagner les courses plus facilement. Parce que si ton véhicule est trop lent, eh bien tu vas pas pouvoir gagner. Bon là c'est facile quoi. Là tu es première, tranquillou, tu en profites pour ramasser des pièces. Et voilà. C'est cool parce qu'il y a que des cochons contre moi. Peppa Pig. Il y a Peppa Pig qui joue avec toi. Il y a plein de Peppa Pig vert qui joue avec moi. Trop drôle. Ce qui est fort, c'est qu'il y a Angry Birds, le film, qui va sortir. Eh oui, cette année, le film va sortir. Et il y a aussi les Lego Angry Birds. Je suis impatient de faire la première boîte de Lego Angry Birds sur Studio Bubble. On en fera. Dès que ça sort, on fait ça. On va se faire un petit set Angry Birds. T'aimerais bien, hein? On va se faire un set Lego Angry Birds. Ça va être trop bien. Alors là, maintenant, tu... Bah soit tu peux augmenter, tu peux garder le véhicule là, hein, si tu veux. Et regardez les petits copains, tout en bas, on aperçoit des compteurs avec des petites barres blanches, des petites barres jaunes. Les petites barres jaunes, c'est ce que tu as déjà. Les petites barres blanches, c'est ce que tu peux améliorer. C'est-à-dire que quand tu appuies là sur vitesse maximum, par exemple, tu peux rajouter une barre jaune. J'appuie sur vitesse max. Ah oui, là tu peux pas l'améliorer encore peut-être. D'accord, donc peut-être qu'on peut pas encore améliorer... le véhicule maintenant. Donc là, bah, tu appuies à droite, on continue. Chaque chose en son temps. Ouais. Donc là, c'est quoi comme mode de course? Parce qu'il y a les courses, il y a le chronomètre, la course contre la montre, on appelle ça. Il y a le mode duel où il y a juste. Vous êtes non, deux. On peut faire que ça pour l'instant. Là, pour l'instant, c'est le mode course avec 4 autres adversaires. Oh, t'es en retard! Non, 6 autres adversaires même. Donc vous êtes 7 en tout là. Je crois que j'ai. Il y a tellement, j'ai même pas le temps de penser. Non, mais 8. Vous êtes 8 carrément. Waouh. Et ça va vite hein, plus hein. Et je suis deuxième, je suis partie dernière. Et il y a un petit bonus à droite de l'écran, le truc jaune qui brille, une sorte de flèche vers le haut qui brille. Ça fait quand tu tapotes une fois, ça te donne un coup de boost. Si tu veux le faire maintenant, tu peux. En une droite, c'est plus facile. D'accord. En fait, ça permet d'avoir une accélération fulgurante et comme ça, tu rattrapes tous ceux qui sont devant toi s'il y en a. Pour l'instant, tu es toute seule devant tes premiers. Ah bah je suis prête de... Allez vas-y appuie là, pour montrer au petit copain. Tapote. Wouah.
crois que ça va trop vite. Et comme ça, du coup, ça te fait peut-être une étoile en plus, que comme dans Studio Universe, il y a la course aux étoiles. Une étoile, deux étoiles. Et non, tu n'as pas la troisième étoile. Je sais pas comment avoir la troisième étoile. Est-ce que c'est le nombre de pièces que tu récoltes? Je sais pas. Ou le non, temps? Non, je crois que c'est... ouais, le temps, je crois. Le temps. Le temps que tu mets à faire la course, peut-être. Alors, amélioration. Ça, c'est maintenant qu'on peut améliorer. Tu vas toucher à nouveau. Touche d'abord une première fois pour voir combien ça coûte. Tu touches à nouveau pour acheter. Donc là, par exemple, tu peux améliorer l'accélération, la puissance. T'as qu'une barre jaune, donc tu peux améliorer les deux si tu veux. T'as 229 pièces jaunes. Donc tu appuies une première fois sur un des paramètres. Là, c'est la vitesse. T'es pas obligé d'acheter de la vitesse. Tu peux acheter l'accélération. C'est pas mal l'accélération. Accélération. Ouais. Voilà, 160. La barre d'accélération. Bah vas-y, achète. Voilà. Maintenant, tu peux plus rien acheter parce qu'il te reste plus que 69 pièces. Mais du coup, tu vas pouvoir aller plus vite au départ. Bon, pour l'instant, c'est sympa. Même si on a fait qu'une partie. Les petits copains, si vous connaissez d'autres jeux de course encore mieux que ça, hein, à défaut de Mario Kart, sur tablette, je veux dire. Parce que Mario Kart, c'est quand même une référence, mais c'est sur la console de Nintendo. Et on n'a pas la Wii ni la Wii U. Oups. Mais sur tablette, il y a peut-être des jeux rigolos comme ça. Donc allez-y, dites-nous et on le testera avec grand plaisir. Parce qu'on aime bien les jeux de course aussi. Moi je prends mon temps parce que je veux prendre les pièces. Je l'ai installé sur mon smartphone. Je vais peut-être essayer après si je peux essayer de jouer avec toi. Ça ferait un ami? Ça serait bien ça. Ouais, j'ai pris un cadeau. Ouais, on verra à la fin ce que c'est. Les cadeaux souvent c'est des diamants. Ou peut-être pour des pièces. Alors les diamants, ça permet d'acheter des véhicules, des nouveaux véhicules. Qui ont plus de barres blanches, c'est-à-dire potentiellement qui peuvent aller plus vite ou qui peuvent accélérer plus vite ou qui ont plus de puissance. Parce que là, tu es limité en barres blanches. Une fois que tu as complété toutes tes barres blanches, bah, tu peux plus améliorer ton véhicule. Ok. Alors vas-y, ouvre-moi ce cadeau. Et voilà, on parlait de diamants. Tu as 15 diamants, donc des gemmes, on appelle ça. Et les gemmes, c'est aussi ce que vous pouvez mettre sur cette vidéo. Hein. 115 enfin, des pouces bleus. 115 gemmes. Alors essaie de. Voilà, les flèches. Alors celle-là, par exemple, c'est le dernier, c'est le véhicule le plus puissant. Regardez toutes les barres blanches qu'il y a. Il coûte combien? Alors il coûte 2500 diamants. On en a 115. On n'est pas prêt de pouvoir l'acheter. On peut acheter celui-là. Voilà, achète-le si tu veux. Ou pas? Mon petit copain, tu fais comme tu veux. D'accord. Et voilà, tu as acheté ce véhicule. C'est comme ça que ça marche. Et après. Mais je peux pas l'améliorer, j'ai plus que 5 trucs. Ouais, là tu peux plus améliorer. Mais t'as toujours le véhicule d'avant. Après, tu peux changer le véhicule que tu veux. Pour la montre. Non, c'est bien, il y a pas mal de petites choses sympas. C'est que des cochons, hein. Et je pense que, comme lors de Angry Birds Star Wars, cliquez sur le petit i en haut à droite pour voir cette vidéo. Je pense qu'il y a des boîtes Angry Birds Go avec différents véhicules que je peux mettre sur la tablette pour pouvoir changer. Donc si un jour je trouve une boîte, c'est bien à trouver. Angry Birds Go, j'ai du mal en fait. Si un jour je trouve deux ou trois véhicules comme ça en Angry Birds Go avec un Angry Birds jaune ou noir, eh bien, je le prendrai et comme ça on pourra tester d'autres véhicules avec d'autres oiseaux, ça sera rigolo. Voilà. Alors déjà, dites-moi en commentaire, bien sûr, si vous aimez ce jeu, si vous aimez cette vidéo et si vous aimeriez voir plus tard une autre vidéo avec d'autres oiseaux. Bravo, Calice, mais qu'une étoile. Est-ce que tu peux sélectionner le chrono, course contre la montre? Ouais, tu peux aussi. Et là, tu bats la mèche. Nous, tu choisis entre les deux. Les deux sont accessibles. J'ai essayé celui-là. Il y a aussi des courses aux bonbons. Des courses aux bonbons, des courses aux gâteaux. En bas à droite, je sais pas si vous avez vu dans le menu. Ah, ça, c'est le cas de le dire. Dans un menu, il y a souvent des choses à manger. Alors là, faut que tu évites les obstacles, forcément, parce que si tu prends un obstacle, tu perds du temps. Si tu perds du temps, eh bien, t'as des chances de pas finir dans les temps. Tu risques de pas finir dans les temps, et là, c'est la catastrophe. Ah, je m'en suis pris un seul au début. Ouais, bah ça va, très bien. Oups, deux. Très bien, voilà. La mèche n'était pas encore arrivée au bout, et tu as gagné. Oui, combien d'étoiles?
2 étoiles, c'est pas mal. Ouais, je vais essayer une bonbon. Ouais, tu peux. Donc là, il faut que tu gagnes 5 fois une course avec des bonbons pour après faire je ne sais pas quoi. Alors, on va essayer. On va essayer. Déjà, on va faire la première. Ah, j'ai oublié les bonbons là. Mes bonbons. Contre le chrono, contre la mèche. Oh là là, bah, hey. C'est pas des bonus, hein, les pièces bleues. Avec les petits chemins sur la droite. Ah, c'est sympa ce chemin. Ah, ça change. Je suis passé entre les deux. Oh là 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 là, la mèche est arrivée aux 2/3 de la course déjà. La rame un peu. Oups là. Oui, parce qu'en plus, ce véhicule n'est pas forcément très facile à manier au début, c'est pour ça qu'il faut l'améliorer. Bah bravo Calice, t'as réussi hein. 1 étoile, 2 étoiles, c'est bien. On en profite hein, si vous êtes un fidèle de Studio Bubble Gaming, pour vous souhaiter une très bonne année. Parce que voilà, on est là pour se distraire tous ensemble durant cette année 2016, parce que la vie est un jeu. Vidéo. Oui, exactement. Et c'est quoi ça? Non, en fait ça c'est quand t'as un duel, tu vas juste faire la course contre un seul cochon. C'est pas un cochon d'ailleurs, c'est un oiseau jaune. Oui, c'est la grosse voiture noire, elle est très puissante, ça va très vite. Ça va être dur. Ah non, ça va, ça va. Cool. Ça va largement. Ouais, attention, il te rattrape. Hein. Fais pas trop d'erreurs. J'essaye. Donc abonnez-vous à un studio Bubble Gaming si c'est pas encore fait. Allez, on essaye d'avoir 100 000 abonnés pour 2016. Ça c'est l'objectif, ça serait bien. Et ça serait cool après, si on atteint les 100 000 abonnés, de faire un petit concours. Pour faire gagner une console de jeu, voilà. Ouais, c'est une idée que j'ai comme ça. J'aimerais bien faire gagner une console de jeu sur Studio Bubble Gaming lors d'un petit concours. Mais pour ça, bien, continuez de vous abonner. J'ai perdu. Ah oui, Senna Bird a gagné. Senna, c'est le nom d'un pilote de Formule 1. Dans l'application, on peut acheter des diamants, on peut acheter diverses choses, des véhicules certainement. Mais nous, comme d'habitude également, on teste les petits jeux vidéo sans rien acheter, à part le jeu éventuellement, si l'application n'est pas gratuite. Mais là, l'application est gratuite. Il y a un autre truc, c'est un cochon. Ah, cool. Donc l'application est gratuite et on n'achète rien d'autre à côté. Je vais jouer Angry Birds. Go. Voilà. Après, on va essayer de jouer à deux, mais je sais pas si je vais y arriver. On va jouer là, c'est trop l'autre. Ça serait bien, ouais. Ouais. Oh, et 3 étoiles! Bravo, Kali! Super! Et tu appuies sur les deux casques. On fait nouveau groupe? Nouveau groupe. Bon. Ah, voilà. Rejoindre. Alors, rejoindre. Yes! Ça marche. On va jouer l'un contre l'autre. Donc là, on va pouvoir jouer l'un contre l'autre, Calice, normalement. Oui, alors moi je suis à droite ou à gauche? Ouais. Là je suis à gauche, toi t'es à droite. Ok, 1, go! Ah, trop bien! Ah, trop bien la course! Eh, je suis dans le tête! Ah non, tu me fais tout le monde! Attends, hop! Moi je prends les pièces! Moi je m'en fiche, si tu gagnes, je vais essayer de prendre les pièces. Bah t'as raison. Mais je m'en fiche parce que je prends le chrono! Bien. Je suis tombé dans la voiture! Non! Si, c'est vrai! J'ai pas le temps de t'accélérer, là je vais me rattraper si ça continue. J'ai utilisé mon bonus de vitesse, mais pas toi. Alors je peux gagner. Mais moi j'ai pris un raccourci. Ouais, elle est sympa cette course, je la connaissais pas. Yes! Yes! Oh, je suis arrivé juste après toi. Alors, je
Sébastien, t'attends. Ça y est, je suis à gauche. 3, 2, 1. Oh, t'es parti avant moi. Mais quand même, j'ai eu un petit problème. Un petit problème au départ, les enfants. Oh, il y a des caisses de dynamite. Et explose dans elle. Eh, t'as pris le même chemin que moi. Ah, j'ai explosé. Le nul. Oh, ça m'en a explosé. Tu m'as vu exploser? Je suis juste derrière toi. Attends, tu vas m'avoir explosé, je vais essayer de me prendre. Ah non, n'importe quoi, tout ce que tu fais. T'es doublé, voilà. C'est où? Non, bah, moi j'ai éclaté de rire. Ah, trop fort. Yeah, j'ai gagné, mais c'était chaud là, t'as failli me battre. J'aimais bien la course d'avant. Il faut continuer d'évoluer dans le jeu normal, en solo, pour pouvoir après débloquer les autres circuits, je pense. Attention, t'es prête? 3. Ah, 3, 2, 1, go. Ah. Celle-là, je la sens bien. Non, t'es devant moi, c'est pas juste. Ah, je vais te rattraper. Oula, non. Youhou. Oh. T'as vu? Ouais, j'étais juste à côté de toi. Ah non, oui, ah non, je suis nul. Ça y est, c'est pas gagné. Oh là là là, oui. J'ai pas gagné. Oh, t'es bon. J'ai gagné. Ouais, moi j'arrive à l'instant, ça va. Ouais, bravo, t'as mérité. Trop bien. Ok, allez, tu continues à jouer en solo. T'aimes bien ce jeu? Oui. Cool. Depuis le temps que tu voulais jouer. Alors, la course du milieu, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est mignon, les petits dessins. Qu'est-ce qu'elle fait dans une bulle de chewing-gum? Tu peux utiliser ton super pouvoir plusieurs fois. La première fois est toujours gratuite, mais les suivantes coûtent des diamants. Mais combien? Je sais pas. Essaye. Pour l'instant, t'as 115 diamants, donc tu peux utiliser le premier gratuitement, comme d'habitude. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est quoi? C'est de la triche. Il te double dans une bulle de chewing-gum. Non, tu peux pas passer par là, Calice. Ah là là, elle est largement en tête. Vite, accélère. Un petit coup de boost. Oh, allez, c'est parti. Et après, c'est 3 diamants. Oh, ça va. T'en as 115. Allez, j'en prends. Vas-y, prends à fond. À fond, les ballons. Et demain. Ah non, il largue des bulles. Si tu tombes dans une bulle, a priori, t'es ralenti. Tu t'envoles un petit peu et du coup, tu peux plus rouler. Et du coup, donc, faut éviter les bulles, quoi. Vite, une fois, vas-y, une fille. Oui. T'as bien fait. T'as pu gagner. 72 000 bravo Calice. Donc ça coûte 3 diamants. En tout cas, je pense que les petits copains, que vous avez compris le concept du jeu. On va encore jouer un petit peu. Et après on se quittera. Et toi, tu pourras continuer de jouer afin de débloquer d'autres circuits, d'autres véhicules peut-être. Et à ce moment-là, on se reverra dans une autre vidéo de ce jeu, pourquoi pas. Attention! Et voilà, Calice, 57 000 points, 3ème, t'auras pu faire mieux. C'est pour pif. Et une étoile, tu aurais pu faire mieux. Alors, tu peux maintenant utiliser des bonus. Alors, une fronde parfaite pour un roi lance plus loin et plus vite. C'est au départ en fait. La clé garde ton carton en parfait état, c'est pour le réparer. L'hélice, c'est te déplacer jusqu'à l'avant du groupe avec le souffleur de feuilles écologiques, d'accord. J'ai pas compris. Et turbo carte booste tes stats avec le carte turbo. Super. Donc là, t'en as un de chaque. Là, t'as choisi les listes. Ok. Ouais, c'est rigolo. Et comme ça, c'est un souffleur de feuilles écologiques. En fait, j'ai l'impression que ça gêne ceux qui sont derrière. Tu vois, ils jettent des feuilles. Ouais. C'est sympa, ce truc. Bravo. J'ai pris une course bonbon. Et le turbo à droite, en fait, il te rajoute 10 turbos. En fait,
comme tu veux. Ah j'adore, ah oui d'accord, regarde les bonbons en haut en fait. J'avais pas fait attention mais la barre de temps normalement. Oh là là, tous les bonbons qu'il y a. Il faut qu'en fait que tu ramasses tous les bonbons, le maximum de bonbons. Et si tu ramasses pas assez de bonbons avant la ligne d'arrivée, tu n'as pas gagné. Donc en fait là tu prends le temps qu'il faut. C'est pas pressé j'ai envie de dire. Il faut pas rater les dialogues. Les bonbons. Bah, j'ai tout fait. Ça y est, bravo, t'as tout vu. Bravo. Tu vas gagner. Et tu vas gagner quoi? Un autocollant. 3 étoiles, oui, 140 pièces. Eh oui, trop forte. Je vais essayer le lampire. Bon. Elle est sympa. Et c'est un 72 900. Youhou! Here we go! Wow, je suis passé par-dessus la fois, le truc! Oh, 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 je suis trop belle! Vas-y, mets le boost! Attends là! Vite, 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 boost, boost! Non! Ah, perdu, mais de peu, hein. Oh, une seconde, quoi. Même ah, pas. Pas de chance. Et tout. Oui. Sinon, utilise ton boost, après tu rachètes. Hein. Dis-toi que c'est possible. Oui. Oui. C'est n'importe quoi. Ah, comme quoi, tant qu'on n'est pas arrivé à une arrivée, rien n'est perdu. Il faut rester positif et ne jamais se décourager. C'est ça le message. C'est quoi l'appareil photo en bas? C'est la photo que j'ai regardée, que j'ai prise. Ah, c'est toi durant ta course. Oh, Bobo. D'accord, t'auras pu sourire. Hein. J'ai tout fait. Pour terminer, allez, dernière course. Calice contre Papa Mystère. Laissez des petits commentaires, des petits pouces bleus et abonnez-vous bien sûr. Et restez avec nous pour cette dernière course et dernière seconde avec Papa Mystère qui va gagner. C'est parti. Avec la bisque. Alors t'as gagné juste avant, chacun son tour. Ah non. Oh. En plus j'ai c'est tiré là, oh c'est tiré là. Merci. Et moi je connais l'autre en raccourci. Parce qu'en fait c'est pas... Moi aussi je connais ton raccourci. C'est par là le raccourci. Et là, ça y est. Ah non, elle m'a pas dépassé par ce temps où je voulais. Ah, je suis dégoûté. Non, je vais pas gagner. Non, la vie est injuste. La vie est un jeu. Vidéo. Et c'est la conclusion justement de cette vidéo. En tout cas, je suis bien amusé avec toi, Calice. J'espère que ça t'a plu. J'espère que les petits copains également. Hein? Et on se retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo, un prochain test sur Studio Bubble Gaming. Et bah d'ici là, gros bisous et à très vite. Ciao, ciao. Ciao. Et n'oublie pas, la vie est un jeu. Vidéo. Il est pas confortable ce cas. Oh non, mais t'as triché. Non. Je vais pas mentir, c'est tout. Eh, j'ai pris toutes les pièces. Ouais, moi je prends la tête. Chacun son tour. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de te bousculer. Voilà ce que j'essaye de faire. Oh oh hey la 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 la, t'es qui le papa? C'est qui le papa? C'est qui le papa? C'est toi. Eh oui, c'est moi le boss.